De quoi est-ce que tu voulais me parler ? Je vois que t'es plutôt un homme occupé, l'Irlandais. Je peux t'avoir ce dont tu as besoin pour ta petite affaire personnelle. Ouais ? Comme quoi ? Tout ce que tu veux. Armes, munitions, explosifs. Je fournis tout ça à des hommes comme toi, discrètement, et à un prix très raisonnable. Bien, je suppose que tu ne prends pas l'échec. J'ai bien peur que non. Alors, dis-moi comment tu voudrais que je te paie pour ton matériel. En faisant de la contrebande, pardi. Il n'y a pas mieux que le matériel militaire allemand. Il y a des installations nazies partout dans la ville. Il te faudra des armes lourdes pour les détruire. Des explosifs, peut-être. Mes vendeurs te feront crédit pour tout ce que tu peux préserver. Les officiers allemands sont une autre source de contrebande. Évidemment, il faudra d'abord les tuer. Tu peux échanger ce matériel de contrebande avec mes vendeurs contre des armes, des munitions et même des véhicules. J'ai des gars postés partout dans la ville, 24 heures sur 24. Laisse-moi deviner. Je vais devoir payer mon inscription à ton petit club. Eh bien, disons, une petite donation, histoire de couvrir, comment dire, mes dépenses. Considère ça comme un investissement sur ton avenir. Mon ami Pierre, ici présent, te fournira quelques petits trucs pour commencer. Cadeau de la maison, bien évidemment. Je vends plus maintenant qu'avant la guerre. Vaut mieux vous baisser avant que les poches vous voient. Seltsam. Er hat eine Waffe! Oh!
Shit. Eine Waffe! Ça brûle les mains. Ça devrait marcher. Et maintenant. Bon Dieu! Vous devriez faire plus attention, d'accord? Je veux seulement savoir pourquoi il y a eu des coups de feu avant les bombes. Muy bien, l'Irlandais. Je pense que c'est le début d'une amitié très fructueuse. Tu peux faire librement du marché noir avec qui tu veux, dans toute la ville.
Allez, faites-vous plaisir. Espèce de salope. Bonjour. Oui, je... Pas d'armes à l'intérieur, mon mignon. Tu peux peut-être me les laisser. Tout ce que tu veux, poupée. Merci. Tu pourras les récupérer en partant. Sean, je pensais qu'on aurait pu s'abriter pendant l'orage. Le sort en a décidé autrement. Vous vous êtes fait prendre comment ? J'ai été reconnu. Par un informateur. Une idée de qui ça peut être ? Je n'ai pas de nom. Mais je sais qu'il a prévu de rencontrer un officier nazi en dehors du Bell. Je suivrai ce Bosch. Il nous mènera directement à la taupe. Oui, c'est le seul moyen. Une autre idée, peut-être ? J'ai vu l'Allemand mettre une lettre dans la poche de l'Indic. Avec cette lettre et l'uniforme de l'officier allemand, tu pourrais trouver ce traître avant qu'il ne récupère ses 30 pièces d'argent. Chez moi, on paie les mouchards avec du plomb. Pardon. Tu me plais bien, mignonne. Ils ont exécuté quelqu'un avant les bombardements. Ah, il te faut du lourd. La nuit et la journée, j'essaie de vendre. Il est sur le point de venir s'installer dans moi. Je peux pas parler. Était pour toi. Une bonne paye. Hey, je vends plus maintenant qu'avant la guerre. Alors te voilà, espèce de sale rat. Merci. Sortez de là maintenant. Quoi ? Non, vous aviez promis de me protéger. Je n'ai rien promis du tout.
Vous mentez. Ils vont me tuer. Voilà ta récompense, traître. Dépense surtout pas tout au même endroit. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vous connais ? C'est bon pour la tête de travailler dur. Qu'est-ce qu'il y a, Santos? T'as besoin de caviar pour accompagner le champagne? Le caviar, ça me sort par les trous de nez. Personne ne veut plus de cette daube. À quoi bon bouffer des œufs de poisson quand on te voit les côtes comme si t'étais un clébard affamé? De l'alcool, des clopes, de la morphine. C'est avec ça que tu te fais du blé. Remercie le ciel d'être là et de pouvoir profiter de la misère des autres. C'est vrai, je suis d'accord. On va pas tous vivre comme des paysans sous prétexte que... c'est la guerre quand même. Prends mon ami le général Lutz, par exemple. Il voudrait pas qu'on le voie se balader dans Paris avec une bagnole de Pecno. La semaine dernière, j'ai proposé de lui vendre une limousine italienne. Et tu sais ce qu'il a répondu ? Je sais pas. Casse-toi. Exact. Il a dit qu'il avait déjà acheté une limousine à un de mes concurrents. Oh, comme c'est touchant. Vraiment. Mais c'est pas aussi triste que la tronche du général Lutz quand il s'apercevra que sa belle bagnole dont il est si fier a été volée. Ah, volée par un sale connard d'Irlandais, je parie. Tout juste. Et le général sera tout heureux que tu lui revendes sa belle voiture. Au double de son prix d'origine. T'as l'esprit tordu, l'Irlandais. On dirait que t'as déjà fait ce genre de truc. Ah, et à moi, ça va me rapporter quoi? Toi, t'aimes les bagnoles, non? On peut dire que je donne dans les vieilles voitures. Tu fais ça pour moi, et tu pourras toujours venir dépenser ton argent dans mes garages un peu spéciaux dans Paris. D'accord, alors. Ça marche. C'est un joli petit village que vous avez là. Ça doit être là, quelque part. Voilà la voiture. Oh, elle est d'une rare beauté. Voyons voir si je peux la ramener à Santos sans trop l'égratigner.
non. Tu crois que tu vas où comme ça? J'ai entendu dire que le général Lutz était à la recherche d'une voiture. T'as déjà fait ça, hein, l'Irlandais? Moi? Voler des bagnoles? Ah, oh, sois pas ridicule. Je vois. Juste au cas où t'aurais besoin de planquer une voiture, arrête-toi dans un de mes garages. Mes gars du service consommateur peuvent t'offrir toutes sortes de prestations de qualité. Ah ouais? Comme quoi? Des pièces détachées, des améliorations, des plaques? T'as qu'à demander. Nous serons ravis de satisfaire tes besoins automobiles. À un prix juste et honnête, cela va sans dire. Ah, c'est parfait. On se voit plus tard. Marée.
Je vends des armes. Dis-moi, Sean, entre nous, t'as aimé ta première revanche ? J'ai peut-être arrêté le whisky. Probablement pas. Ça te plairait de rencontrer des nouveaux potes de comptoir ? À qui tu penses ? Les Allemands détiennent plusieurs prisonniers tout près d'ici. Des vétérans de la Légion étrangère. Des hommes très dangereux. Leur chef s'appelle Crochet. Si on peut le rallier à nous, les autres suivront. Et tu veux que je libère ces types ? Pour ensuite les enrôler. Ça te posera un problème ? J'ai plutôt l'habitude de m'évader. Rentrer en prison, ça va être de la rigolade. On a plusieurs types de voitures. Jette un œil. Sacrément bien gardé. Une approche en douceur serait peut-être préférable. Moi, je me tire.
Daesh a remporté une bataille décisive en Afrique du Nord. La guerre devrait donc prendre fin rapidement. Le fumier! Les transits sont obligatoires à tous les points de contrôle. La présentation de papiers non conformes sera sévèrement punie.
L'endroit me paraît pas tranquille. Plus qu'un coup de
une journée sans coup de feu. Bonne sortie. Allez, on y va. Il faut libérer mes hommes. D'accord, vite et discrètement. Irlandais, par ici. Il est temps de filer, les gars. Dur de réparer. Thank you.
Je vais dire à Luke que la mission est accomplie. C'était du bon boulot, mon ami. Les rangs de la résistance grossissent de jour en jour. Là où les gens ont la volonté de se battre, nos soldats patriotes se dressent, prêts à lutter contre les nazis. Vive la France ! C'est bien beau tout ça, mais il nous faudra autre chose que des slogans quand les balles vont commencer à siffler. Nous avons à ta disposition des hommes prêts à se battre. À partir de maintenant, ils t'obéissent, au doigt et à l'œil. Demain, je nettoierai tout ce sang. T'as remis Luke sur pied. Il a une dette envers toi. Non. Les habitants de cette ville ont une dette envers Luke. T'as plutôt l'air de l'apprécier. Il est extraordinaire. Son nom circule partout dans Paris. On l'appelle le héros de la Villette. Luke est un héros, c'est ça? Je suppose que je suis juste son chauffeur. Jaloux? Foutaise. Peut-être aurais-je la chance d'avoir un chauffeur pour me conduire? Tu veux te balader avec moi? J'en suis ravi. Bien. Retrouve-moi devant quand tu seras prêt. Alors, il est où, Scully? Je dois le récupérer. Il va nous falloir une voiture. Merci pour la balade. Luke, merci à toi aussi. Au fait, c'est qui, Luke? Il est censé être connu? Avant la guerre, Luke était l'un des plus célèbres écrivains français. Il était d'une famille respectable et fortunée. C'est drôle. Il a pas l'air bourgeois. Les nazis ont qualifié ses écrits de subversifs. Ils ont confisqué sa propriété et brûlé ses livres. Luke s'est retrouvé sans rien. C'est pour ça qu'il les déteste? Luke n'est pas animé par la haine. Il se bat par amour pour son pays. Ce sera pas long. Alors, c'est bon? Oui. Merci. Maintenant, il ne reste plus qu'à effectuer la livraison. Thank you.
pas avoir attendu si longtemps pour nous prévenir. Enfin, c'est bien que tu... C'est juste... Ça fait longtemps qu'on se tourne autour. Je ne suis pas beaucoup sortie depuis... ce qui est arrivé à Jules. Ouais. Ça, je peux comprendre. J'ai comme l'impression que ça ne t'a pas beaucoup ralenti. Les filles du Bel me disent que tu as un bon coup de braguette. J'imagine que tu veux dire un coup de fourchette. Tu crois ? Je suis vraiment ravi que t'aies dessoulé à temps pour t'occuper un petit peu de moi aujourd'hui. Je te promets que tu ne regretteras pas. Laisse-moi descendre. T'es vraiment sûr que c'est là ? Cet endroit grouille de boches. Ça ne prendra qu'une minute. Guten Tag, Fräulein. Qu'est-ce que vous avez là ? Ce n'est que du fromage et du vin pour le colonel Straub. Straub a bien de la chance. Entrez, entrez. Vous êtes trop bon. Qu'est-ce qui se passe ? Nom d'un chien ! Vite ! Vite ! Ils arrivent ! Pourquoi tu m'as pas dit que t'allais faire péter une bombe ? T'as perdu la tête ou quoi ? Tu aurais tout fait pour m'en empêcher ! Bien sûr que je t'en aurais empêché ! Ce n'est pas ton combat ! Tu as tort. Ça l'est devenu, quand ils ont tué mon frère. Je me suis portée volontaire. On se retrouve volontaires tous les deux, on dirait. Fini de parler. Plus tard. D'abord, on va parler avec Luke. Enfin un peu de repos. Je nettoierai tout ce sang. Mais qu'est-ce que tu fous ? Tu utilises des femmes pour faire le sale boulot ? Je n'utilise personne. Ceux qui servent notre cause le font par patriotisme. Je hais ce mot. Je l'ai entendu prononcer toute ma vie par des hommes aux mains pleines de sang. Ce n'est pas un match de cricket. On ne porte pas d'uniforme et on ne joue pas selon les règles. Chacun doit être prêt à faire le nécessaire. J'ai déjà perdu son frère. Je serais damné si je perdais aussi Véronique. Elle ne peut pas être impliquée là-dedans. Une fois, tu as dit que Jules était un grand garçon. Eh bien, je suis une grande fille. N'essaie pas de me dicter mon comportement. Pareil pour vous. Compte bien tes ennemis, Luke. S'il lui arrive quelque chose, je viendrai grossir leur rang.
cherches quoi? Tu veux assurer ta protection? Oh putain, ça pue la saucisse pourrie ici.